Bonjour à toutes et à tous, l'ami Segal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars légendaire. J'en dis pas plus les copains, mais donc du coup, je fais les présentations. On se retrouve sur le compte de ma fille, Julia de Toulon. Compte plutôt avancé parce que du coup, elle a déjà deux légendaires. Elle a le Léon et le Spike. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas une bonne surprise, les gars? On lui a déjà fait la surprise de lui acheter le Léon. Le Spike, on l'avait débloqué, la vidéo sur la chaîne. Pour ceux qui l'auraient pas vu, je me suis dit, je pense que, les gars, à 5000 pouces bleus, je pense qu'on va lui prendre le cornac. Voilà, je pense qu'on va la régaler, la petite. Et je vais même vous dire mieux, les gars, on va pas attendre les 5000 pouces bleus. On va bien sûr la prendre dans cette vidéo. La dernière fois, on lui avait pris l'offre de 15 mégaboîtes. On avait du coup des gemmes. Du coup, je pense que 349 gemmes, c'est du moitié prix. Ça fait une nouvelle légendaire. Corbac, c'est vraiment un des brawlers qu'elle veut absolument débloquer, sachant qu'il n'en reste plus beaucoup. Hein. En réalité, elle a Corbac, Emery et Mr. P à débloquer. Donc en vérité, il ne restera plus que Emery après en légendaire. Je sens qu'elle va être comme une dingue. Ceux qui veulent voir la réaction, les copains, ça se passera sur Instagram. N'hésitez pas à me follow. C'est en description de la vidéo, je crois, en deuxième ou troisième lien. Et les copains, du coup, explosez les pouces bleus, les gars. Objectif de 5000 pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et imaginons le pack, là. Ouais, d'accord. Tonton, reste tranquille. Je me fais mes délires comme ça. Alors, on va lui ouvrir quelques boîtes, voir si on le pack pas, le brawler. Mais j'y crois pas une seconde. 5 gemmes, ok. 70 gold, ok. Ok, bon, j'ai été naïf, j'ai cru qu'on pouvait le paquer. En tout cas, les copains, on va l'acheter et on va lui faire une surprise de fou furieux parce que le Corbac, c'est ma légendaire. Avec Léon, c'est vraiment mes légendaires préférés. Je crois que même Corbac, avec le gadget, pour ceux qui ont la chance de l'avoir au moins pouvoir 7 et d'avoir débloqué le gadget, c'est vraiment un brawler de fou furieux. Donc, tout simplement, on va le prendre, les gars. Et est-ce qu'on lui prendrait pas des points de pouvoir? Putain, c'est bon, ça. Non, on va pas lui acheter quand même. On va pas abuser. On va pas abuser des bonnes choses. En tout cas, les copains, on est parti pour s'acheter le Corbac. 3, 2, 1. C'est parti, la légendaire qui pop, la nouvelle légendaire. Elle va être comme une dingue. Je vais vous dire un truc, les gars, c'est que le Corbac, dans sa tenue initiale, comme ça, en noir, on le voit pas souvent, en vérité. On a tous un peu des skins... pas tous, mais on a beaucoup de skins légendaires de Corbac. Du coup, on n'est pas trop habitué à le jouer comme ça. En tout cas, la légendaire, elle y est. Elle est cachée. Où elle est cachée, où cette petite légendaire? Elle est là, voilà. Nouveau, tac. Et puis du coup, on va se le sélectionner. Il est malheureusement à 0 trophée. Alors, on peut peut-être s'ouvrir quelques boîtes pour essayer de le monter level... peut-être pouvoir 2-3. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait, Brock, Daryl, Elisa, et on a du doubleur de jetons x2, on en a 400, c'est plutôt pas mal. Je vais en tenter quelques-unes de boîtes, mais après je vais pas tout lui ouvrir non plus, parce que si on chope pas de points de pouvoir, ça sert à rien de s'entêter. On a du max, on a 5 gemmes, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je prends les points de pouvoir, les gars, ou pas? Est-ce que vous pensez, les gars, que je les prends? Dites-moi en commentaire. Tant on prend pas. Je sais que je vais avoir 50 commentaires. Putain, j'aimerais tellement être de ta famille, Gaël, que tu puisses m'acheter Corbac, etc. Les gars, je sais que, voilà, je peux pas faire plus que plus, mais ça me fait plaisir. Je vous aime, moi aussi. Et mille merci pour les commentaires, les gars. Et je pense qu'en vérité, on va prendre cette offre-là, les copains, parce que ça va nous mettre quand même plutôt pas mal. Le petit Corbac, il est là. On va le booster, on va lui donner un petit peu de force quand même, voilà, 210 points de pouvoir dessus, ça va nous le mettre niveau combien? Ça va nous le mettre, alors on va le mettre comme ça, tac, et on est plutôt pas mal, ouais, je pense que les copains, il est pouvoir 5, on va se tester en solo survivant, ça fait trop plaisir, les gars, ça fait trop plaisir de faire des cadeaux comme ça, en tout cas, moi ça me régale, alors on a... une popo par là, le boule, s'il veut venir, on va le rooster. La mission, bien sûr, avec Corbac, les copains, pour ceux qui le jouent depuis pas beaucoup de temps, c'est vraiment d'essayer de charger l'ulti le plus vite possible, parce que c'est vraiment ça qui fait la diff. Alors là, on va prendre juste la popo par là, et on en a une en bas à droite de popo, rappelez-vous. Elle y était, je pense qu'elle nous attend. Oh, putain, il y a des popos partout. Il y a des popos partout, les gars, on peut pas prendre toutes les caisses, et à un moment donné, il faudra choisir. En tout cas, on est en train de se mettre bien. On va essayer de récupérer la popo en bas à droite qu'on n'a pas prise. Du coup, on est déjà à 5. On a 4800 PV. Il y a une caisse au mid aussi qu'on ira chercher. Alors, où elle est? Est-ce qu'elle est encore là ou pas? D'accord. On va basculer à 5280 points de vie. Il y a peut-être une... Oh, lui, il est mal. Lui, il est mal barré, les copains. Ah, ma fille, elle va être trop contente, on se fait plaisir. Le but, c'est qu'elle ait tous les brawlers sur le compte, hein, clairement. Les deux derniers qui lui manquent, je pense qu'on les achètera. Si vous êtes chaud, on essaiera d'aller acheter Emery dès qu'elle aura l'offre. Ok.
Je pense qu'il meurt, je pense qu'il meurt. Je pense qu'il meurt ou pas, les copains? Est-ce que lui, il meurt? Est-ce que lui, il meurt? On va prendre la popo par là. Oh, il a 200 PV, le truc. Ok, ça meurt. Ok, ça meurt, les gars, on commence par un top 1. Ceux qui ont suivi la série sur le mode confiné, vous savez très bien que commencer par un top 1, ça porte bonheur en général. Et ça, ça fait super, super plaisir. Parce que du coup, voilà, en plus, on récupère encore des petits jetons, on est en événement de pièces. Je pense que je posterai la vidéo le mardi matin, les copains, je la prends. Je la règle le dimanche soir, donc no stress. Hein. C'est juste que je peux malheureusement pas vous la poster de suite. Ouais, on est quand même assez loin du palier supérieur. Il nous manque 100 points de pouvoir, donc on pourra pas non plus. Ça sert à rien d'ouvrir trop de boîtes, parce qu'on perdrait... Clairement, on perdrait du temps, les gars. On perdrait du temps. En tout cas, ça fait toujours plaisir, cette petite offre légendaire. Et je la trouve rentable, hein, quand même. Parce que le lion l'avait payé 400 gemmes, je crois, je sais même plus, mais 350 gemmes, c'est... Voilà, faut les avoir, hein, bien sûr, mais c'était quand même assez correct. Alors là, on est quand même à bas niveau, parce que là, on n'a rien fait, on a juste pris une caisse, on est déjà plus que 8. Les mecs ont l'air de s'éliminer plutôt vite, et du coup, plus que 7. J'ai un poco à droite qu'on va aller... On va les taquiner un petit peu, tac. Ouais, je pense qu'il back, le frérot. Il aurait pu me suivre et me mettre la misère, mais là, il a envie de prendre la popo, et malheureusement, il va y laisser la vie, hein, le frérot. Il va y laisser la vie. Alors, on a 3 caisses, on est plus que 6. Il y avait une caisse en haut à gauche, on va aller la chercher. On est plus que 5, 4. Putain, ça se limite super vite, il y a un mec là. Là, il y a un mec. Ouh, Arcade, il m'a mis cher de fou. On va le respecter un tout petit peu. Ouais. On prend la peau, on va le soulever, les gars. On prend la peau et on va le soulever. Il peut absolument rien faire. On est en survivant déjà. Putain, mais ça farme les trophées beaucoup trop vite. Alors, attention quand même à Jackie. Ok, Jackie, on était sous popo, il ne pouvait absolument rien faire, les copains, on enchaîne les plus 10, c'est beaucoup trop facile avec un brawler qui est seulement pouvoir 5, mais c'est déjà beaucoup, hein. Quand vous commencez à jouer avec un brawler qui est pouvoir 5, c'est vraiment super fort, les copains, et je répète, n'hésitez pas si vous voulez voir la réaction de ma fille, j'essaierai de vous la poster sur Instagram, et si vous voulez voir des petites stories de moi sur Insta, on a quoi à monter, là, ouais, il y a un brawler à monter, on peut le monter, on va lui monter, Penny, elle est pouvoir 8 déjà, putain, ça monte bien, regardez le compte qu'elle a, comme il a monté, il est monté super vite, parce que pour le coup, elle a du pouvoir 8 de partout, elle a même un Poco qui est en attente du Star Power, ah ouais, ce serait cool qu'on lui débloque, ce serait cool qu'on lui débloque le Star Power, ah, je vais arrêter, je vais pas tout lui ouvrir. J'ai envie, en vrai, il y a trop de boîtes sur ce compte. Il y a trop de boîtes sur ce compte, les gars. Mais oui, ça donne trop envie. On se fait une petite game, on va pas faire une vidéo de 150 ans. Mais clairement, ça fait trop plaisir. Alors, là, on est pas mal, là, pour l'instant, les copains. La petite popo, qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est un bot ou quoi? Il va me fumer, les gars. Oh, Fatch, heureusement qu'il m'a pas tiré dessus. On est à deux doigts de se faire éclater. Ok, là, oulalalala, je prends un petit peu des risques là, on s'enflamme un peu, mais en même temps c'est le jeu, on est là pour faire le beau jeu. Ok, là on prend quelques caisses, on se donne des points de vie, on a encore 8, j'ai vu un soda en bas les copains, il m'a semblé. Oulalalala, je me suis fait éclater, c'était le coup dur pour le joueur français qui faisait le malin. C'est le même Colt tout à l'heure qui a failli nous dépop en début de game, je sais pas si vous avez fait gaffe. Mais ah ouais, c'est la magie des bas trophées, c'est que même en faisant un top 7 éclaté, on arrive à faire un plus 2 trophées en relançant. Faut qu'on s'arrête sur un top 1, les gars. On peut pas se permettre de se quitter sur une performance. D'ailleurs, on aurait pu se lancer une game en siège ou en brawl ball en vérité. Ça aurait été stylé. Alors là, on prend déjà une première caisse, dès qu'elle va vouloir se casser, ok, on est plus que 9, il y a un Brock qui s'est fait éclater la tronche, les copains, on est pas mal là, on est pas trop mal, on a un start qui est cool, parce qu'il y a deux pots, il y a une Elisa en bas, il y a un pot par là, une popo, une caisse, on va aller la chercher. Alors on voit que Korbak, ça a quand même pas beaucoup de points de vie, hein. Quand vous tombez sur les joueurs qui savent à peu près viser, ça fait quand même assez mal rapidement, donc faut faire un petit peu attention. On va pré-shot le bush par là, il y a rien, là il y a une... Oh, il y a un truc pas mal, là. Il y a un truc pas mal à faire, là, les copains. Simplement, on prend le soda. On va aller chercher... Oh, il y a du fight. Oh, il y a du fight, là. Il y a du fight par là. Oh, les gars, c'est quoi cette game éclatée? J'ai rien fait. Il n'y a pas de cut, il n'y a rien, les gars. Là, ça compte pas, ça.
C'est quoi ce top 1 bizarre? Les mecs sont tous morts, je sais même pas de quoi. Ah oui, il est mort du poison, bah j'ai dû l'empoisonner. J'ai dû l'empoisonner sans faire gaffe. Ils sont morts, les mecs, quasiment instantanément. On est déjà 32 trophées sur le petit Korbach. Je pense qu'on s'en lance une toute dernière. Et après, on pourra dire que c'est bon. Après, on pourra dire que la vidéo est réussie. Le cadeau, à mon avis, va faire de l'effet à ma fille. Ça va lui faire plaisir. Surtout qu'il restera plus beaucoup de brawlers à débloquer par la suite. Donc on approche d'un compte full max. Il manque plus qu'à mettre... Enfin, full max en termes de brawler. Les brawlers ne sont pas max. C'est juste max en nombre de brawlers. On est bientôt max. Alors le Colt en haut, on a vu que tout à l'heure, il m'a mis assez cher. Ouais. On va pas trop le chatouiller. Il a un tiers de mourir. Il a un tiers de mourir, les gars. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas, c'est fatigué, là. Alors, là, il y a une peau. Là, on va prendre celle-là. Je suis tellement capable de mourir dans le poison, les gars, vous le savez. On tente ou pas? Non, on tente pas, arrête. Arrête, les gars, j'ai trop envie d'y aller. Mais je suis pas assez joueur. J'ai dit qu'on finissait avec un top 1, on va finir avec un top 1. Je vous le promets. On est encore 4, là, il y a un gros fight. Un Jackie ou pas, là? Ok, le Jackie, il meurt, je pense que je vais prendre le soda, là. C'était le arcade, hein. Arcade, il reste... Allez, mon petit, voir tonton. Viens voir tonton. Il est où? Ok, on n'est pas trop mal. On le gratte plutôt bien. Ah, il est un peu bête. Il avance tout droit. Et ça, malheureusement, pour lui, il va mourir. Il va mourir, les gars. Tout simplement, ça va être le top 1 de la victoire. Le dernier top 1. On va passer les 40 trophées. C'était vraiment très, très simple de monter à 42 TR. Déjà, on l'a débloqué il y a moins de 10 minutes. Et le Korbach... qui est là, les gars? Donc on aura acheté le Korbach et le Léon sur ce compte, et le Spike, elle aura débloqué. Et du coup, je disais, seulement 2 brawlers à débloquer. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, que vous m'aurez explosé les pouces bleus. N'oubliez pas le code créateur Gaël. Franchement, n'hésitez pas à le rentrer. Mille merci du soutien, mille merci de tous les screens que je reçois au quotidien. Vous êtes la famille, et puis je vous fais des gros bisous à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.